بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 76 sur le cours du calcul littoral, niveau 2e année collégiale, Royaume du Maroc. Factorisez les expressions littérales suivantes. D1 est égal à 3x plus 4 tout au carré moins 9 quarts. D2 est égal à 2x moins 8 tout au carré moins 25 sur 36. D3 est égal à 5 demi x moins 3 cinquièmes le tout au carré moins 16 sur 25. Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez factoriser chacune de ces expressions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Factorisant. Je commence par D1. D1 est égal à 3x plus 4, le tout carré, moins 9 quarts. Qu'est-ce que je vais faire ici? Quelle est l'étape suivante? Oui, tout simplement, je vais remplacer 9 quarts par une puissance. Laquelle? Oui, c'est 3 demi, le tout carré. Moins 3 demi, le tout carré. Cette expression mathématique nous fait penser à quoi? Oui, il nous fait penser à l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins p. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a ici? Oui, le nombre qui a joué le rôle de a, c'est 3x plus 4, celui-là. Et le nombre qui a joué le rôle de b? Oui, c'est 3 demi. Donc je vais écrire ici 3x plus 4, ça c'est a. Plus b, c'est-à-dire plus 3 demi, facteur de a, c'est-à-dire 3x plus 4, moins 3 demi. Voilà, ça donne 3x plus 4, plus 3 demi, facteur de 3x plus 4, moins 3 demi. Et maintenant, je simplifie cette expression mathématique. 3x, je vais rendre les dénominateurs communs pour le nombre 4 et 3 demi. Donc je vais écrire ici 8 sur 2 plus 3 demi, facteur de 3x plus 4, c'est 8 sur 2, moins 3 demi, c'est-à-dire 3x plus 8 plus 3, c'est 11 sur 2, facteur de 3x, 8 moins 3, c'est plus 5. Plus 5 sur 2. Et c'est terminé. Passons maintenant à D2. D2 égale à 2x moins 8, le tout carré, moins 25 sur 36. Qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, je vais remplacer 25 sur 36 par un carré. Lequel? Oui, c'est 5 sixièmes, le tout carré. Donc ici, j'ai obtenu une identité remarquable. A au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a? Oui, c'est 2x moins 8. Et le nombre qui a joué le rôle de b? Oui, c'est 5 sixièmes. Donc je vais écrire 2x moins 8, ça c'est a, plus b, c'est-à-dire plus 5 sixièmes, facteur de a, c'est-à-dire 2x moins 8, moins b, moins 5 sixièmes. Et je ferme l'accolade. Ça donne 2x moins 8 plus 5 sixièmes, facteur de 2x moins 8, moins 5 sixièmes. Attention aussi, j'ai oublié et j'ai marqué 2 à la place de 6. Ça, c'est 5 sixièmes. Voilà. Maintenant, je vais rendre les dénominateurs communs pour les deux nombres moins 8 et 5 sixièmes. Donc, je vais écrire ici, moins 8 fois 6, c'est moins 48 sur 6, plus 5 sixièmes. Facteur de 2x, moins 48 sur 6, moins 5 sixièmes.
C'est-à-dire 2x moins 48 plus 5, c'est moins 43. Donc moins 43 sur 6. Facteur de 2x moins 48 moins 5, c'est moins 53 sur 6. Voilà. D3 est égal à 5 demi-x moins 3 cinquièmes le tout au carré moins 16 sur 25. Qui est égal, qu'est-ce que je vais faire ici? Quelle est l'étape suivante? Oui, je vais remplacer 16 sur 25 par un carré. Lequel? Oui, c'est 4 cinquièmes le tout au carré. Je vais l'écrire moins 4 cinquièmes le tout au carré. Et vous voyez maintenant, j'ai obtenu l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A? Oui, c'est 5 demi-x moins 3 cinquièmes. Le nombre qui a joué le rôle de B? Oui, c'est 4 cinquièmes. Donc, je vais écrire ici 5 demi-x moins 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes facteur de 5 demi-x moins 3 cinquièmes moins 4 cinquièmes. Voilà. C'est-à-dire A plus B, facteur de A moins B. Donc, je simplifie cette écriture. Donc, 5 demi-x moins 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, facteur de 5 demi-x moins 3 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Cela donne 5 demi-x. Donc, je n'ai pas besoin de rendre le dénominateur commun, il est déjà fait. Moins 3 plus 4, c'est plus 1 sur x, sur 5 plutôt. Facteur de 5 demi-x, moins 3 moins 4, c'est moins 7. Donc, c'est moins 7 sur, attention, ici, j'ai oublié, j'ai mis 8 à la place de 5. Oui, c'est moins 7 cinquièmes. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Eldo du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.